Salut tout le monde, tout ce qui m'écoute, je m'appelle Ilham et je viens du Sénégal. Bah, je suis Sénégalais mais je vis à Montréal, actuellement que je vous parle aussi à Paraya, au Caver. Je suis là pour faire une vitrine, pour rencontrer le monde, profiter du soleil, faire de la musique. En fait, j'ai commencé à faire de la musique en 2005. J'étais dans un groupe hip-hop qui s'appelait Benin Squad. C'est après que j'ai commencé à jouer de la guitare. J'ai acheté une guitare. J'ai commencé vraiment à découvrir mon univers artistique. Suite de ça, j'étais à la conservatoire de Dakar. Et j'ai fini mes études. Là, j'ai commencé à composer mes morceaux tranquillement. Mais j'ai commencé à faire de la musique professionnellement parlant en 2013. Quand je suis allé à Québec, c'est là que j'ai monté mon band et tout. Fait que depuis lors, ça va, ouais. Au Québec, je suis arrivé là-bas parce que j'ai rencontré une belle Québécoise qui m'a fait découvrir la Québec et le sirop d'érable. Elle m'a kidnappé, elle m'a amené au froid. C'est par la suite qu'on a déménagé ensemble au Québec. Juste le fait de quitter ton pays, aller dans un autre pays, t'es excité, genre. Mais ce qui m'a plus marqué, c'est qu'il faisait vraiment frais, quoi. Il faisait froid. Il faisait moins 30. C'est là que le soleil me manquait, mais après je me suis adapté tranquillement parce que musicalement aussi ça va, parce que j'ai rencontré là-bas beaucoup de musiciens, beaucoup d'artistes qui jouaient de la musique, fait que je me suis adapté facilement. Ouais. Quand je suis arrivé, j'ai fait là-bas 3 mois. Après, il y avait un concours qui s'appelait Vitrine Locale Métissée. C'est fait pour les artistes qui venaient d'arriver. Fait que j'ai essayé à trouver un band. Quand on a joué, on a gagné comme beaucoup de prix, comme coup de cœur espectral, ceux qui font le festival de jazz et festival de francophonie. Donc j'ai essayé à faire un peu ma place, quoi. J'ai essayé à vraiment de vivre de mon art pleinement. Ouais. Mm. Ya tomaru tuy mada kala wadno hadno wagasi eh sadanyago nyago ala aan ke sadukhul. J'ai commencé à composer des morceaux qui sont un peu blues, qui est différent du hip hop. Fait que j'ai allé dans ce domaine là que c'est vraiment mon univers que j'ai découvert par rapport à ma guitare et tout. Ouais. J'ai sorti un album qui s'appelle Hope et là je suis en train de préparer un autre album avec d'autres artistes qui sont québécois et des artistes aussi comme... Je prévois une featuring bientôt avec Wycliffe Jean pour mon prochain album. Fait qu'il y a beaucoup de belles choses qui s'en viennent et que j'aimerais beaucoup partager avec le public. Oh!
la première fois que je viens au caverne, j'aimerais garder une très bon souvenir. J'aimerais chanter avec vous. Est-ce que vous êtes prêts? C'est aïe oh oh oh, yéla yé, vous dites aïe oh, yéla yé. C'est bon? Aïe oh oh oh, yéla yé. Aïe oh, plus fort que ça, plus fort que ça. Aïe oh oh oh, yéla yé. Merci. Merci.